Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment de culte. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu nous as réveillés ce matin et ce soir tu as bien voulu nous réunir, Père. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, pour toute personne qui est connectée ou qui sera connectée avec nous, Seigneur mon Dieu, ce soir, pour bénir ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne, car ce culte t'est dédié à toi, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être avec nous de bout en bout, de conduire l'adoration, la louange, tout ce que nous aurons à faire en ce lieu, Seigneur. Que cela te rende gloire dans le nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, ô Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez tous bénis, vous qui êtes connectés en ce moment, connectez-vous pour qu'ensemble nous puissions élever le nom de l'Éternel, notre Roi. Car la gloire et l'honneur lui est dû, car il est le seul qui le mérite. Alléluia. Oh Jésus. Louange à l'agneau, nous disons puissance, puissance.
et tout puissant majesté. C'est lui qui ne règne qu'il en est rendu rien. Rien ne peut le contenir. Il est racheté, l'agneau me libère. C'est lui qui a effacé tout ce qui m'a condamné. C'est lui qui m'a rendu libre. Oh, l'agneau immolé. Toi qui es à la maison, élève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à célébrer le nom de l'Éternel. Oui, oui. La septième ville de refuge est ta protection. Commence à élever le nom de Jésus. Là où tu es, béni les saints d'Israël. Il est vivant, élevons nos voix. Alléluia. C'est toi qui me conduis. Tu me conduis vers les eaux paisibles. Ta conduite, oh Yahweh, c'est ce qu'il me faut. L'Éternel, c'est lui qui éclaire mes sentiers. La lumière, à chaque instant tu es merveilleux. À chaque instant tu es élevé. À chaque instant tu es glorieux. À chaque instant tu es célébré. La louange t'est réservée. L'adoration t'est réservée. Toi seul tu mérites l'adoration. Toi seul tu mérites l'adoration. Adore avec nous, toi qui es à la maison. Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin.
digne d'être élevé. Élevons nos voix. Quelqu'un peut dire quelque chose à Dieu ce soir. Dis quelque chose à l'Éternel ce soir. Alléluia. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Qui il est pour toi? Merci il est pour toi, élève ta voix. Merci pour l'œuvre de la Alléluia. Croix. Merci, il y a une Jésus. Puissance pour moi qui crois en toi. Oh Dieu, j'adore un Dieu que je connais. Oh le Dieu qui m'a sorti de l'abîme. Le Dieu qui m'a pris de la boue du monde où j'étais. Il m'a ramené à lui. J'adore ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait payer ce prix-là. Personne. Il a fait reculer les ténèbres en ma faveur. Il y a une puissance pour nous qui croyons. Il a payé les prix. Alléluia.
sur le mont Golgotha, Seigneur. Cela m'a donné la vie. Tu m'as donné la vie. L'œuvre de la croix m'a changé. L'œuvre de la croix m'a amené des ténèbres à la lumière. L'œuvre de la croix a chassé les ténèbres de ma vie. L'œuvre de la croix a changé ma vie. L'œuvre de la croix a amené la métamorphose à ma vie. L'œuvre de la croix m'a transformé. Il y a eu un changement. C'est ce que le monde attend avec un ardent désir. La révélation des enfants de Dieu. Les enfants changés. Les enfants transformés. Les enfants vivant dans une nouvelle dimension. Une nouvelle création. Oh, une nouvelle identité. L'identité de Christ. C'est cette dimension-là que, oh, le Seigneur nous attend. Avançons dans la présence de Dieu. Élevons nos voix, bien-aimés. Bénissons l'œuvre de la croix. Oh, Dieu de gloire. Toi qui as changé mon identité. Immolé. Tu as changé mon histoire. Tu as changé merci mon identité. Merci pour l'œuvre de la croix. Yeah, moi qui étais aéré, tu m'as pris à toi, Seigneur. Tu m'as donné une nouvelle identité en Christ. Oh, Jésus, Jésus, je fais partie de la croix. Oh, alléluia. Du coup, de l'amour céleste, le roi. Yes. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, nous pouvons crier à ma mère. Je viens à toi tel que je suis. Prions le Seigneur. Je viens à toi tel que je suis. Toi qui as fait les pigeons, un roi qui est amené à l'abattoir, un roi qui est amené à l'abattoir pour moi, il a versé de son sang pour moi, il s'est sacrifié pour moi, il s'est donné pour moi, tout ça pour me donner une nouvelle vie, tout ça pour me donner une nouvelle identité. Alléluia, j'ai une identité en Christ, j'ai une identité en Christ. Oh Yahweh, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, quel privilège d'être appelé enfant de Dieu, quel privilège de t'appartenir. Oh Yahweh, je me sens privilégié ce soir de te servir, je me sens privilégié ce soir de t'appartenir, je me sens privilégié ce soir, oh Adonai, parce que je suis ton enfant, je connais mon identité, je connais mon identité en Christ. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de maladie. Je suis enfant de Dieu. Car je connais mon identité en Christ. Oh Yahweh, toi que tu t'es donné. Tu t'es donné. Tu t'es donné. Tu t'es donné pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Personne ne t'a trouvé digne. Personne ne t'a trouvé digne. Si ce n'est toi, Éternel. Oh Dieu. Mon Dieu qui est dit, éternité en éternité tu règnes. Tu règnes, yes. Oh, tu remplis les cieux de ta gloire. Yes. Tu remplis la terre de ta gloire. Alléluia. La terre est ton marchepied. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Oh, tu fais toutes choses en ton temps. Je te bénis, tendre Père, pour cette année d'accomplissement. Alléluia. Tu fais les choses comme moi te semble. Car tu es maître de temps et de toutes circonstances. Mais mon Dieu que je sers, il n'est pas surpris par les événements. Mon Dieu que je sers, il ne craint rien, il ne recule devant de rien. Même la mort n'a pas pu l'empêcher. Rien ne peut empêcher ce Dieu que je sers. Car il est glorieux, car il est puissant, car il est glorieux. Rien ni personne n'est comme toi. Il est glorieux, rien ni personne mérite l'élévation comme toi. Oh, j'adore ce Dieu qui m'a dit, il est préférable que je m'en aille. Car tu dois, oh, tu dois voir en toi la nature de Christ. Si tu n'étais pas parti, Seigneur, je n'aurais pas en moi la nature de Christ. Alléluia. Merci ma septième ville de refuge. Parce que je me sens en sécurité. Car tu es, quand tu es avec moi, à Gédéon, tu as dit, je serai avec toi. À Moïse, tu as dit, je serai avec toi. Et avec moi, tu m'as dit, je suis en toi. Oh, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te suis reconnaissant, Majesté, car tu m'as donné une place au royaume des cieux. Je suis un partisan du royaume des cieux. Je connais ma nature en Christ. Je suis, oh Yahweh, je gouverne dans le royaume des cieux. Car j'ai ma place là-haut. J'ai ma place en Christ. Oh, car je reconnais. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Et je sais qu'il est mort pour moi. Car il a donné sa vie. Même la nature a reconnu son Créateur. À combien plus forte yes, raison. Je veux t'adorer. À combien plus forte raison. T'adorer. Yes. T'adorer. Alléluia. T'adorer. Oh Dieu de gloire. Je veux t'adorer.
Sacrificateur. Pour moi, yes. Tu me donnes. Oh Seigneur, alléluia. C'est dimanche que nous avons appris. Il fallait le sang pour racheter le sang. Alléluia. Seul ton sang pouvait me racheter. Oh, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait rien. Rien du tout pour moi. Rien du tout pour moi. Ta majesté. Le sang, ta majesté. Le sang de l'agneau immolé. Yes. Agneau immolé. Je veux t'adorer, Seigneur. Oh, tu es mort pour moi. Tu me donnes ta vie. Tu m'as tant aimé. Je veux t'adorer. Qu'est-ce que je veux te dire, Seigneur? T'adorer. Oh, t'adorer, c'est mon désir ce soir. T'adorer. C'est mon désir ce soir, t'adorer. Oh, Dieu. Adoré, quel privilège. Il s'est fait pécheur pour moi et toi, mon frère, ma soeur. Seigneur. T'adorer. Il s'est livré publiquement pour nous. Je veux t'adorer. Alléluia. L'adoration, c'est notre reconnaissance envers l'œuvre de la croix. T'adorer. Oh, être chrétien, c'est avant tout être reconnaissant. Quand tu l'adores, tu es reconnaissant que c'est lui ton Dieu. Bien-aimé, adore-le là où tu es. Sois connecté au Saint-Esprit en ce moment. Yes, yes. Rien ne vaut sa présence, bien-aimé. Rien ne vaut sa présence ce soir. Il est là. Oh Dieu, il est là. Venons t'adorer. Le Saint-Esprit de Dieu est là. T'adorer, Jésus. Oh, quel privilège d'être dans ta présence. T'adorer. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège de demeurer dans ta présence. Alléluia. Une seconde dans ta présence est suffit. Oh, gloire à Jésus. Une minute dans ta présence est suffit pour changer le cours de ma vie. Pour changer le cours des choses, pour changer mon adoration. Yes. Alléluia. Car mon désir est de t'adorer ce soir. Oh, je te suis reconnaissant. Adorons Yahweh. Oh, Seigneur. Prosterne-toi à la maison, allons-y. Je ne dis rien, Seigneur. Qu'est-ce que je peux dire, Seigneur? Je me tais, Seigneur. Nos soupirs t'adorent, Éternel. Notre silence t'adore ce soir. Que puis-je dire devant mon Créateur si ce n'est de l'adorer? Que puis-je te dire, Éternel? Toi qui es si merveilleux. Je me tais, Seigneur. L'éclat de ton rayonnement m'embrase. Seigneur, tu es digne d'adorer, digne d'être célébré. L'éclat de ton rayonnement m'embrase. Le seul, l'unique et le véritable Dieu, c'est toi. Père éternel, oh Dieu, comme nous le disons, avec Moïse, tu as dit, je serai avec toi. Avec Gédéon, je serai avec toi. Mais quand il s'agit de ton église du temps de la fin, tu as dit, je serai en toi. Oh! Oh!
t'adore. Qui peut se lever quand toi tu es là? Qui peut se lever quand toi tu es là? Quand tu t'allèves, quand tu t'élèves, tout s'abaisse, éternel. Oh, alléluia. Oh, je ne suis pas digne de me présenter au devant de toi. Oh, majesté, je ne suis pas digne. Oh, il faut que je diminue et qu'il croisse, mon éternel, ce soir. Par ta présence. Quel privilège d'être en toi ce soir. Oh, nous voulons fleurir ce soir dans ta présence. Nous voulons porter ta nature ce soir dans ta présence. Nous voulons porter les fruits de l'adoration ce soir. Oh, ma papa. Nous faisons appel à toi, Père. Faisons appel à toi, Abba, papa. Oh, nous crions Jésus. Jésus. Oh, le nom le plus beau. Jésus. Le seul nom qui m'a été donné. Jésus. Le nom du vainqueur. Le nom qui nous donne le salut, c'est le nom du vainqueur. Oh, yes. Jésus. Le nom de mon espérance. Jésus. Jésus, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Jésus, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Yes. Oh. Reçois-moi. Oh. Jésus, mes mots sont faibles pour toi. Yes, yes, mes mots sont faibles. Atmosphère de bénédiction et de gloire. Oh. Jésus, Jésus, Jésus. Son nom c'est Jésus, le nom le plus doux, le plus beau nom. Il n'y en a point d'autre.
dans lesquelles nous puissions être sauvés, c'est seulement le nom de Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, ma septième ville de refuge. Alléluia. Jésus, mon rempart, ma couverture. Jésus, mon bouclier. Yes. Le nom de Jésus, une tour forte. Yes. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Lorsqu'il se présentait tout simplement, les ennemis reculèrent et tombèrent. Oh. Il a dit, c'est moi. Et ils ont reculé, ils sont tombés. Alléluia. Le simple fait de dire, c'est moi. Alléluia. Jésus, le nom le plus beau. Oh, dans ta présence, nous nous sentons en sûreté et en sécurité. Où irais-je que tu ne puisses me voir? Hey, 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 hey. Avant même que je pense, tu connaissais déjà ma pensée. Alléluia. Même si je m'enfuis sur les eaux de la terre, tu sais où je suis. L'Éternel qui sait tout. L'Éternel est mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Je m'appuie, c'est sur lui qui a fait la promesse. Alléluia. Promesse, c'est celui qui est fidèle. Oh, il nous a promis. Fidèle. Oh, la fidélité Jésus. De Dieu. Je m'appuie sur toi Jésus. Et non sur un homme. Jésus. Je m'appuie sur merci, ta fidélité. Merci, ô Éternel. Je crois en ton nom. Car tu es bon, tu es bon, tu es bon. La parole d'un homme est un mensonge. Celle la parole de l'Éternel subsiste à tout jamais. Jésus est fidèle. Et s'il est fidèle, c'est Dieu. Jésus est fidèle. Promesse. Oh, Yahweh, il m'a promis. Jésus est fidèle. Alléluia. Jésus est fidèle. Alléluia. L'époux fidèle, Jésus est l'époux fidèle, l'ami fidèle, le roi Jésus fidèle. Fidèle. J'ai toujours dit la fidélité n'a de sens qu'en Christ. Alléluia. Merci pour ces instants bénis. Oh, j'aime ces sons, ces sons. J'aime bien cela. Oh. Fidèle. Oh, retenons fermement l'assurance. Fidèle. Que nous proclamons, car c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle, mon Dieu. Oh, Yahweh, merci pour la foi. Merci pour la persévérance. Merci pour l'espérance. Oh, la fidélité fait partie des attributs. Oh, si tu n'es plus fidèle, tu n'es plus Dieu. Alléluia. Celui qui ne ment pas. Oh, celui qui réalise ses promesses. Dieu de l'accomplissement. Merci Jésus pour ta fidélité. Alléluia. Bien-aimé, tu prends ta Bible, nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Alléluia. Nous continuons à prier et nous chantons qu'il est fidèle. C'est vrai, Amen. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Alléluia. Hey, yes. Il est Yahweh, il est Yahweh, il est fidèle. Son nom c'est Jésus. Jéhovah. Oh. Alléluia. Oh, nous allons prier, nous allons prier. Alléluia. Nous allons lire deux psaumes aujourd'hui. Et nous allons donner des requêtes
qui vont nous conduire dans la prière. Nous prenons dans le livre de Psaumes au chapitre 121. Psaume 121, cantique de degrés, cantique de montée. Alléluia. Ne change pas, il est le même. Alléluia. Ne change pas, ne change pas. Les hommes peuvent changer. Ta femme, ton mari peut changer. Tes enfants peuvent changer. Mais Rabbi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Oh, merci Seigneur. Trouve-moi le psaume 121. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oh, la Bible répond, le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux et la terre. Le secours nous viendra de l'Éternel. Le secours nous vient de Yahweh. Bien aimé, les gens de ce monde, les hôpitaux, partout dans ce monde, il y a des secours. Mais les secours fidèles, qui précèdent même l'événement, c'est le secours de l'Éternel. Amen. Les secours des hommes viendront, tu es déjà alité par terre. Mais les secours de l'Éternel te surprendra. Le secours de l'Éternel surprendra même les dangers. Amen. Oh, le secours me viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'aimerais dire, c'est-à-dire le Seigneur qui a contrôle des choses, contrôle du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi il peut précéder les événements. Amen. Oh, il est l'Éternel qui peut t'épargner des événements. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, c'est l'Éternel. Amen. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Voilà pourquoi je dis le secours vient même avant l'événement. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oh my God. Il est celui qui te soutient. Il est celui qui marche avec toi. Il est ton gardien. Il est ta septième ville de refuge. Amen. Alléluia. Amen. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point. Yes. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout ton mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, nous allons prier. Notre première requête, c'est d'être reconnaissant. D'être reconnaissant à Dieu par rapport à sa protection. Amen. La Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Pendant que nous nous ronflons, lui, il ne dort ni ne sommeille. Il garde sa chère épouse. Il garde sa chère église. C'est toi et moi qui sommes Israël en ces temps de la fin. L'église qui est dans le creux de la main du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? J'aimerais te dire quelque chose. Peu importe ta circonstance. Peu importe que si tu passes par des maladies, si tu passes par des soucis, si tu passes par des problèmes dans ton couple, je ne sais par quelles circonstances tu passes, mais c'est lui qui t'a donné le souffle de vie ce matin, qui a renouvelé ses bontés dans ta vie. Bien-aimé, mets tout ça de côté et approche-toi devant son trône de grâce. Commence à lui rendre des actions de grâce, à lui dire Seigneur, merci pour ta main protectrice. Commence à lui dire qu'il est fidèle. Il est fidèle parce qu'il te protège. Il est fidèle parce qu'il est ton gardien. Il est fidèle parce qu'il est ta ville de refuge. Il est ton rempart. Il est ta couverture. Mais c'est cela notre première requête ce soir. Élève ta voix, bien-aimé. Mets tes soucis de côté. Regarde simplement le souffle de vie qu'il y a en toi. Il y en a qui se battent à ce moment via des machines pour respirer. Mais toi, tu respires avec l'aide simplement du Seigneur. Oh, amen. Commence à prier. Élevons nos voix là où nous sommes. Élevons nos voix là où nous sommes. Bénissons le Seigneur. Merci. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que tu précèdes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta protection. Il est celui qui garde ta famille. Il garde tes enfants. Il garde tes parents.
Il garde tes amis que tu aimes. Il garde ton pasteur que tu aimes. Il garde son église que tu aimes. Il se garde toi-même. Bien-aimé, commence à prier. Élève ta voix. Ne t'arrête pas. Dis à Dieu merci. Merci de me protéger. Merci de me garder. Toi, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis à Dieu qu'il est le secours de ta vie. Reconnais son secours. Reconnais ta main droite dans ta vie. Reconnais ta main droite dans ta vie. Toi qui es connecté maintenant, dis à Dieu, je reconnais ta puissance. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, parle. Bien-aimé, glorifie Jésus pour son secours. Reconnais le secours de Dieu dans ta vie. En ce moment de pandémie, reconnais le secours de Dieu dans ta vie. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Alléluia. Yes. Il n'y a pas d'autre secours que la salle. Alléluia. Oh mon Dieu, n'est jamais en retard. Il vient à temps. Le secours de ce monde arrive en retard. Mais le Dieu qui connaît toutes les choses, le Dieu qui précède les événements, le Dieu qui conduit tes pas, il est là, il est là, il est là. Il est avec nous. Il demeure avec nous. Il est tous les jours avec nous. Je te suis reconnaissant. Je sais que je suis père. Je te suis reconnaissant. Je sais que je suis en bonne santé. Je te suis reconnaissant pour l'œuvre de la croix. Parce que tu m'as racheté. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné une identité. Tu as changé mon histoire. Si aujourd'hui on peut m'appeler papa, c'est parce que toi tu as décidé sur ma paternité. C'est pour le bien de l'Éternel. Je te suis reconnaissant. Mais reconnaissant la reconnaissance pour le travail que j'ai. La reconnaissance pour les enfants. J'ai vécu. J'ai vécu. Pour mes enfants, Seigneur. Oh Yahweh, nous vaincrons. Amen. C'est toi, majesté. Yes. C'est toi, majesté. Là où tu as vaincu, c'est toi qui nous vaincrons. Là où tu as vaincu, nous vaincrons. C'est toi qui nous gardes. Alléluia. Je te suis reconnaissant parce que Seigneur Dieu, je suis en bonne santé, majesté. Je sors et je rentre, je suis en bonne santé. Tu me purifies par ton sang. Ton sang me lave. Je suis sous la pluie du Très-Haut. Oh, cette parole n'est pas un slogan. Cette parole n'est pas un slogan, c'est réel parce que je suis réellement sous la pluie du Très-Haut. L'Éternel Dieu me garde. Alléluia, Dieu alléluia. Me protège. L'Éternel Dieu. Oh, j'espère que là où tu es à la maison, tu as toujours ta Bible. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le secours ne viendra pas d'un homme. Le secours viendra de l'Éternel. Le secours ne viendra pas des amis bien-aimés. Ça viendra de l'ami fidèle. Le secours ne viendra pas de tes parents, non, non. Ça viendra de pères des orphelins, de maris, de veuves. Alléluia. Alléluia. Le secours viendra de l'Éternel. Il est le seul. Mais Moïse devant la mer rouge, il n'avait plus de secours. Mais il a levé les yeux vers le ciel. Oh, il y avait des montagnes de part et d'autre. Devant lui la mer rouge, derrière l'armée égyptienne qui venait. Il n'y avait pas de secours dans ce monde. Mais il a levé les yeux vers le secours qui ne manque jamais. Alléluia. Alléluia. Oh, nous aimons cela. Lorsqu'ils avaient plus d'eau à boire dans les déserts, Moïse frappe les rochers. Il a frappé les rochers, l'eau est sortie du rocher. Alléluia. Lorsqu'ils avaient plus de quoi manger, le secours est descendu d'en haut, leur donna une nourriture qu'ils ne connaissaient pas d'avant. N'est-ce pas qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse? Ne tremble pas, bien-aimé. Ce que tu attends est en train d'arriver. Alléluia. Ce que tu attends est en train d'arriver. Yes. Parce que lui, il maîtrise le chrono. Il maîtrise l'heure. Alléluia. Le temps et les circonstances sous son contrôle. Qu'est-ce que tu attends? Il sera à l'heure. Ne t'inquiète, Jésus est toujours à l'heure. Amen. N'est jamais en retard. Oh, les sœurs de Lazare ont dit, si tu étais là, dit, mais quoi ça? Je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Je suis toujours là. Il est là, il contrôle la situation. Amen, amen, amen. Oh, sois béni, toi qui es connecté. Alléluia. Toi qui es connecté, sois béni. Nous prenons le psaume 124 maintenant. Ça va de pair avec le psaume 121. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Le vrai protecteur qui ne sommeille ni ne dort. Écoutez ce que le psaume 124 nous dit. Alléluia. Amen. Vous de la cité du Dieu vivant, vous savez, nous prions avec ça tous les matins à 4h du matin. La Bible dit ceci, psaume 124, c'est David qui dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Amen. Qui serait l'Église? Toi qui me regardes, toi mon frère, ma soeur qui est en ligne, dis-moi sans l'Éternel qui te protégea. Gloria.
sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, quand les sorciers de ta famille s'élevèrent contre toi, quand la malédiction de ta famille te suivait partout, quand tu étais dans, quand tu fréquentais des boîtes de nuit, quand tu étais vraiment pécheur dans la boue du péché, dis-moi, qui te protégea? Alléluia! La Bible déclare au verset 3, ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Mais voilà ce qui serait arrivé si l'Éternel ne t'avait pas protégé. Si l'Éternel dormait comme les dieux païens. Si l'Éternel dormait comme tout le monde, ce qui t'aurait arrivé, voilà, t'aurais été emporté par le vent impétueux. Tu aurais été submergé par les eaux. Mais le psalmiste dit ceci au verset 6e. Il dit, béni soit l'Éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut, tu peux dire avec moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu peux répéter, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh Seigneur, je te bénis. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Amen. Mais l'Éternel ne t'a pas livré. Oh, lui, il est le bon berger. L'Éternel ne t'a pas livré à leurs dents. Cette écriture me rappelle le Seigneur qui regarde Pierre et lui dit, le diable t'a réclamé. Alléluia. Il veut te cribler comme du froment. Oh, Pierre, le diable t'a réclamé. Alléluia. Il veut te cribler comme il avait réclamé Job. Il t'a réclamé. Il veut te cribler comme du froment. Mais le Seigneur Jésus dit, j'ai prié pour toi. Mais la Bible dit clair qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et moi. Alléluia. Il ne permettra plus que tu sois une proie entre les dents de l'ennemi. Amen. Il ne permettra plus que les sorciers te criblent comme du froment. Parce qu'il t'a, il n'a pas voulu te livrer entre leurs mains. Amen. N'est-ce pas qu'il est bon? Alléluia. Aujourd'hui, c'est un mercredi de prière, bien-aimé. Amen. Oh, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu. Juste pour ça, je peux m'allonger par terre et bénir le Seigneur. Amen. Alléluia. Le verset 7e. Nous allons prier aussi par rapport à ça. La Bible déclare, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. La version sémère dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des chasseurs. Amen. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Alléluia. Alléluia. Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce que le Seigneur a fait dans sa vie? Alléluia. La Bible déclare, tu étais un oiseau. Et il y avait l'oiseleur qui t'a pris. Il t'a mis dans son filet. Hey, hey. La Bible déclare que le roi des rois est venu. Ah, il a dépouillé les autorités et les dominations. Alors il t'a libéré du filet de l'oiseleur. Ah, tu t'es échappé, mon frère, ma soeur. Tu t'es échappé, je ne sais dans quel filet tu es ce soir. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas t'en échapper. J'ai dit à quelqu'un, tu seras délivré de ce filet ce soir. Tu seras délivré. Alléluia. Si tu es, je ne sais pas qu'est-ce qui domine sur toi. Quel est le péché qui domine sur ta vie? Ce soir, bien-aimé, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, libère-moi du filet des oiseleurs. Libère-moi de l'impudicité. Libère-moi de la masturbation. Libère-moi de l'impudicité, de la débauche. Libère-moi de l'alcool. Libère-moi de l'adultère. Libère-moi des mensonges. Libère-moi de l'orgueil. Quelqu'un pourra dire à Dieu, libère-moi de ce filet qui me tient. Je ne sais pas c'est quel filet, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quel filet qui te tient. Mais aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Amen. Ce soir, c'est un soir de délivrance. Le filet va se rompre et tu seras libre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Amen. N'oublie pas cela. Qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un maintenant, notre première requête maintenant est de dire à Dieu, Seigneur, oh, nous n'avons plus beaucoup de temps, nous allons aller vite. Tu vas dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, toi-même tu connais le filet dans lequel tu te trouves. Tu connais dans quel lien héréditaire peut-être que tu te trouves. Alléluia. C'est le moment de corriger même ta façon de venir au Seigneur.
ta conversion, corrige-la maintenant. Que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, libère-moi du filet du péché. Libère-moi du filet, je ne sais quel filet dans lequel tu te trouves. La maladie, une maladie héréditaire, dis à Dieu, libère-moi de ce filet. Commençons maintenant à déclarer. Commence à déclarer, Seigneur, libère-moi. Je viens au devant de toi pour que ton sang me libère. Oh, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, il est présent, il est avec nous. Commence à prier, élevons le voix et prions le Seigneur. Libère, majesté. Prions, déclarons la liberté, déclarons. Les filets doivent se rompre. Les filets doivent se rompre. Doit se rompre. La Bible déclare que les filets s'est rompu. Les filets s'est rompu et tu t'en es échappé. Est-ce que tu crois que tu vas t'en échapper ce soir? Dis à Dieu, je ne suis plus dans les filets de l'ennemi. Commence à prier, commence à prier. Je ne suis plus esclave du péché. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Si tu as une condamnation, c'est aujourd'hui. Dis à Dieu, les chaînes doivent tomber. Libère-moi du filet des oiseleurs. Libère-moi du filet des chasseurs. Libère-moi du filet des chasseurs. Bien aimé, c'est quoi ce péché? Alléluia. L'orgueil doit être brisé. Alléluia. Les mensonges doivent être brisés. Les manques de pardon doivent être brisés. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier dans le nom de Jésus. Dis à Dieu, libère-moi, Seigneur. Que les chaînes tombent. Que la pauvreté tombe. Que l'impunité tombe. Que tout ce puissant du monde des ténèbres tombe. Alléluia. Alléluia. Que la puissance de la sorcellerie tombe au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Déclare-les. Déclare-les au nom de Jésus. Rien ne peut tenir au-devant de mon Dieu. Rien ne peut tenir au-devant de toi. Car tu as rendu mon casier judiciaire vierge. Tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Je marche en homme libre. Il n'y a rien qui ne peut me retenir. Il n'y a rien qui ne peut me retenir. Au nom de Jésus. Les querelles. L'animosité, la jalousie est du diable. Dis à Dieu, brise ces choses. Je déracine le matifie en moi. Au nom de Jésus, je brise l'orgueil. Car tu as payé le. Dis à Dieu, l'esprit de séduction qui est en moi doit être brisé. Seigneur, viens briser. Viens briser le mal en moi. Brise le Seigneur. Au nom de Jésus. Viens briser la vie d'adultère. Au nom de Jésus, je marche en nouveauté de vie, Seigneur. Je suis libre. Je ne suis plus esclave de la peur, ni du péché, ni des choses. Que le Seigneur te libère de la peur, c'est vrai. Je ne suis plus esclave de la peur. Dis à Dieu, libère-moi. Je suis libre. Je suis enfant. Tu peux intercéder pour quelqu'un d'autre. Tu peux intercéder pour ton mari. Tu peux intercéder pour ton épouse. Tu peux intercéder pour ta soeur, ton frère, pour tes enfants. Prions. Je déclare ma famille est libre ce soir. Je déclare, Seigneur Dieu, que ma famille est libre ce soir. Je déclare ce soir que la cité du Dieu vivant est libre ce soir. Nous ne sommes plus esclaves de la peur ni de la maladie. Nous ne sommes plus esclaves de quoi que ce soit. Car le Seigneur m'a libéré. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il a effacé. Il a effacé tout ce qui m'est condamné. Dans le nom de Jésus, je suis libre. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis libre. Oh, tu as vaincu le sang. Tu as vaincu le sang. Oh, alléluia. Oh, Yahweh, reçois. Parfois, Seigneur Jésus, brise le filet. Reçois, brise le filet. Reçois, Seigneur. Parfois, c'est le mépris. Brise les choses. Oh, viens me frayer. Tu frayes un chemin. Oh, Yahweh. Viens frayer un chemin. Merci, Jésus. Mais vous merci savez, l'Éternel a placé tellement de dons en nous. Alléluia. Il a placé des dons en chacun de nous. Amen. Et le but est que cela puisse servir à sa gloire. Amen. Mais l'orgueil empêche à ce que cela s'exprime. Alléluia. Les mépris, la jalousie, les animosités, ces choses t'empêchent de vivre pleinement la gloire de Dieu ici sur terre.
et bloque ton éternité. Car ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point le royaume. Et ici sur la terre même, cela t'empêche de vivre les merveilles de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi je brise ce soir, que l'Éternel brise cela, que le filet soit rompu et que tu sois libéré de cela au nom de Jésus. Il est mort à la croix pour que nous soyons libres, pour que tu ne sois plus dans un quelconque filet. La Bible déclare qu'il a rompu le filet. Mais vous savez, lui, il a rompu le filet. Est-ce que toi, tu veux t'en échapper ou pas? J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, le filet est rompu. Mais c'est toi, des fois, qui veux rester là-dedans. Alléluia. Amen. L'œuvre de la croix a brisé le filet. Yes. Mais est-ce que tu veux sortir ou pas? Amen. La question est posée, c'est cela. Vous savez, il y a des gens qui sont libérés. Oh, je connais une chanson où on chante. Alléluia. C'est comme une chèvre, vous savez, en Afrique, on attache les chèvres sur un arbre avec un fil. Mais lorsqu'on coupe le fil, la chèvre est censée fuir, partir. Mais il y a des chèvres, on a coupé la fil. Mais les chèvres, la chèvre plutôt reste toujours là. Le fil est coupé, mais la chèvre reste là. Yes. Parce qu'elle n'a pas pris conscience que le fil a été coupé. Yes. Jésus a brisé, il a rompu le filet. Tu vas prier avec moi de déclarer, Seigneur, je vais sortir, je sors. Amen. C'est ce que tu vas déclarer de ta bouche, parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. C'est à toi de déclarer, je sors de cette maladie, yes. Je sors du célibat, je sors de l'impudicité, je sors de l'adultère. Amen. C'est à toi de le déclarer. Commence à le déclarer maintenant que tu sors. Seigneur, je déclare ce soir. Je sors. Que je verrai, que je sors. Tu sors de la maladie, déclare que tu sors de la maladie. Déclare que je sors de cette pandémie. Je sors de cette pandémie. Je sors des symptômes de cette pandémie. Au nom de Jésus. Commence à déclarer que tu sors de la pandémie. Je marche en nom. Je sors de la maladie. Je sors du célibat. Je sors de la pauvreté. Je sors du péché. Au nom de Jésus. Je sors de la jalousie. Je sors de l'orgueil. Je sors du mépris. Je sors des animosités. Au nom de Jésus. Commence à les déclarer. Ah yes, 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 yes. Le Seigneur nous a donné un esprit de force. Je suis libre. Amen. Je sors de la nonchalance. Je sors de la négligence. Oh, je sors. Je sors. Je sors au nom de Jésus. Je sors des querelles. Au nom de Jésus. Sors de cet esprit de dispute. Sors de cet esprit de conflit. Sors de cet esprit de dispute au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère, toi qui me suis. Toi qui me suis, sors du filet des oiseleurs. Sors du filet des chasseurs. Sors, l'Éternel a déjà brisé. Le Seigneur a fait sa part. Toi aussi fais ta part. Toi aussi fais ta part. Sors, sors de cela. Sors de la condamnation. Sors, tu es libre. Tu es libre. C'est à toi de le déclarer. Vis ta liberté. Vis ta guérison. Vis ton mariage. Vis la bonté de Dieu. Sors de cela au nom de Jésus. C'est à toi de sortir. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de décider de sortir. Je sors, Seigneur, je sors. C'est à toi de décider de sortir. Alléluia. Oh, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Oh, bien-aimé, écoutez. Écoutez. Alléluia, alléluia. Proverbe chapitre 18. Alléluia. Oh Jésus. Nous terminons par là. Proverbe chapitre 18, le verset 10e. On a vu ça le dimanche. La Bible déclare le nom de l'Éternel est une tour forte. Amen. Ah, je ne saurais pas terminer tout ce que j'ai à dire là-dessus. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Le nom de l'Éternel. Le secours, c'est dans le nom de l'Éternel. Amen. Comme on a lu dans Psaume 121, Psaume 124. Et ici, dans le livre de Proverbes, il est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Ça, personne ne peut refuser cela. Nous croyons à cela. Mais la Bible déclare, les justes s'y réfugient. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui s'y réfugie. Alléluia. Le nom de l'Éternel est la ville de refuge. Mais ce n'est pas tout le monde qui s'y réfugie, bien-aimé.
c'est simplement le juste. Alléluia. Et si réellement tu t'es converti, si réellement tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu es justifié. Au nom de Jésus. Alors tu as droit à prendre le nom de l'Éternel comme une tour forte. Amen. Nous allons continuer le vendredi, mais nous allons prier simplement dire à Dieu, Père éternel, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens que ton nom, je viens entrer dans ton nom. Je viens entrer dans la ville des réfuges. Je suis protégé. Que quelqu'un commence à les déclarer. Que quelqu'un commence à les déclarer qu'il est protégé, qu'il est gardé dans la ville des réfuges. Dans la ville des réfuges, on est gardé, on est protégé, on est béni, on est gardé, alléluia, sous la main de l'Éternel. Les creux de sa main est notre protection. Au nom de Jésus. L'Éternel est mon secours, l'Éternel est mon refuge. C'est en toi que je me réfugie. Alléluia. C'est en toi que nous nous réfugions, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De ta main, de ta puissance, tu me couvres. Je suis sous l'ombre de ta main. Alléluia. Oh, l'ombre de ta main m'accompagne. Oh, alléluia. Tu es avec moi, car tu es le véritable secours qui a été donné aux hommes. Et quelqu'un élève sa voix, commence à dire merci au Seigneur. Merci Jésus. Pour sa délivrance et sa protection. Merci. Il t'a délivré, il a déclaré qu'il ne dort ni ne sommeille pour te protéger. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a donné. Il t'a libéré du péché que tu chérissais. Il a brisé les filets. Alléluia. Tu m'as libéré du célibat. Seigneur, je te suis reconnaissant. Alléluia. Merci Seigneur. Il est celui qui libère du célibat. Il libère de la pauvreté, il libère de la malédiction. Il libère de l'incrédulité, il libère de la jalousie, il libère de l'orgueil, il libère de cet esprit de mépriser les autres, il libère de cet esprit de querelle, il libère des animosités. Il est Dieu qui te libère des chaînes de l'ennemi. Il a rompu les filets. Prends la décision de sortir et de marcher comme quelqu'un de libre. Cela ne dépend que de toi. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. C'est ça la loi de l'identification. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Père éternel, merci pour la liberté. Merci Seigneur de nous avoir libérés, de nous avoir protégés, de nous avoir gardés plus près de toi. Bénis tous tes enfants connectés ce soir. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous avons rendez-vous, bien-aimés, ce matin. Ce matin, à 4h du matin. À 4h du matin, nous avons rendez-vous sur Zoom pour la prière du matin. À 4h du matin sur Zoom. Je vais envoyer les liens, je vais partager pour tout un chacun. Je mettrai ça sur WhatsApp, je mettrai ça sur Messenger, dans le groupe, je vais partager. Et à 4h du matin, nous nous retrouvons pour continuer la prière. Déclarer cette liberté. Ne manquez pas, soyez présents. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Amen.